Bonjour, je m'appelle Julie Goffin, je suis la commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada. Je veux vous parler des résultats de notre audit sur la surveillance des pipelines de compétence fédérale exercée par l'Office national de l'énergie. L'Office établit les exigences que doivent respecter les compagnies afin d'exploiter de façon sécuritaire les quelque 73 000 km de pipelines, soit plus de 10 fois la distance à parcourir pour sillonner le pays d'un océan à l'autre. Ces pipelines servent à transporter du pétrole et du gaz naturel pour le compte de clients au Canada et à l'étranger. Notre audit a conclu que l'Office national de l'énergie n'avait pas surveillé de manière appropriée la mise en œuvre des conditions d'approbation des pipelines, ni effectué de suivi adéquat des écarts de conformité des compagnies. Nous avons constaté que les systèmes de suivi de l'Office étaient désuets et inefficaces. Nous avons aussi conclu que l'Office national de l'énergie a de la difficulté à recruter et à maintenir en poste des employés dans les domaines spécialisés, comme l'intégrité des pipelines et la conformité réglementaire. Étant donné l'augmentation escomptée de la capacité des pipelines, et l'entrée en vigueur de la loi sur la sûreté des pipelines d'ici juin 2016, il est clair que l'Office national de l'énergie doit redoubler d'efforts pour rester au fait de l'évolution rapide du contexte dans lequel il opère.